La coopération entre l'Afrique et les États-Unis se matérialise à travers plusieurs domaines. L'initiative Prosper Africa mobilise des services et des ressources de l'ensemble du gouvernement américain pour donner aux entreprises et aux investisseurs des informations sur le marché, un soutien aux transactions, des opportunités de financement et des solutions pour renforcer le climat des affaires. Des affaires que les États-Unis entendent davantage multiplier ces prochaines années en direction du continent africain. Nous avons aussi des domaines liés au climat, à la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables. Il y a actuellement beaucoup de discussions sur l'agriculture dans laquelle le gouvernement américain compte investir, favorisant ainsi des partenariats entre le secteur privé. Dans le document intitulé « Stratégie américaine envers l'Afrique subsaharienne », quatre objectifs pour 5 ans sont détaillés, parmi lesquels travailler les opportunités économiques, soutenir la préservation et l'adaptation au climat et une transition énergétique juste. Un sommet américano-africain est prévu le 13 décembre 2022 à Washington pour accélérer l'implémentation de cette feuille de route. Au sein de Prosper Africa, nous misons sur d'énormes opportunités dans plusieurs domaines. Nous avons notamment le domaine de la technologie numérique, où nous comptons augmenter l'accès à la finance et aux services numériques. Nous voyons également beaucoup d'opportunités dans les soins de santé, notamment dans le renforcement de la fabrication et des systèmes locaux. Les nations africaines jouent un rôle important dans l'économie mondiale, avec certaines des économies à la croissance la plus rapide du monde et une population jeune, en croissance et en urbanisation rapide. Les États-Unis, à leur tour, offrent une large base de consommateurs, les marchés de capitaux les plus profonds du monde et un engagement envers la création d'emplois, la transparence et la responsabilité sociale.